Le nom, quel nom vous avez dit? Cormery. C'est un parent? Mon père. Cormery Henry. Blessé lors de la bataille de la Marne. Mort le 12 octobre 1914. J'avais 6 mois quand il est mort. Ça ne change rien. Les morts sont toujours trop nombreux. Mais où sont les morts de 14? Dans la liste C, D ou P? Excusez-moi, je vais vérifier. Mon père a 25 ans. Quand vous n'êtes pas venu à Alger? Un peu plus d'un an. Ça a beaucoup changé, vous ne trouvez pas? Je vous ai pris des journaux, si vous voulez y jeter un œil. Non, non, merci. Non, j'ai déjà lu les prévisions, il va pleuvoir demain. C'est l'été algérois. Votre dernière interview nous a beaucoup fait discuter. Il y a des gens qui perçoivent encore une ambiguïté dans vos propos. D'ailleurs, on a été frappé par une de vos phrases. Celui qui écrit ne sera jamais à la hauteur de celui qui meurt. Vous connaissez le chemin pour Bellecour? C'est mon quartier. On va directement à l'université. Et après, on vous amène à l'hôtel. Pourquoi à l'hôtel? Ce serait imprudent que vous dormiez chez vous ce soir. Et ce sera pareil les autres nuits si vous restez à Alger. Imprudent? C'est une simple précaution. Pour éviter de mettre aussi en danger votre mère. Bonjour, François Esson, journaliste pour l'Écho d'Alger. Vous avez déclaré que la politique ne vous intéressait pas. Pourtant, aujourd'hui, en Algérie, tout est politique. Quelle est votre question? Ben, vous considérez-vous comme un homme de droite ou comme un homme de gauche? Retourne d'où tu viens, Cormery! On n'a pas besoin de gens comme toi, traître! Tu n'es pas chez toi, ici! Tu n'es pas chez toi, maintenant! Faux français! Vive l'Algérie française! Vive l'Algérie française! On croit que l'université forme l'élite d'un pays. Quel est le temple du savoir? Mais au lieu de réfléchir, on insulte les gens, on se déguise en provocateur. Heureusement, malgré les temps que nous vivons, il s'agit d'une minorité isolée. Nous avons des ennemis. Une minorité bien nombreuse, je crois. Il va bientôt terminer. Après, c'est à vous. Leur faux jugement. Il a fallu que le sang des Français coule dans les rues et les maisons d'Alger pour ouvrir les yeux sur la vérité. Ce n'est plus le temps des compromis. Maintenant, la politique ne doit avoir qu'un seul but. Répondre aux assassins avec leurs propres armes. Maintenant, nous avons l'honneur de recevoir quelqu'un que je n'ai pas besoin de vous présenter. Merci de l'accueillir chaleureusement, Jacques Cormery. Merci. Bonjour à tous.
La dernière fois que je suis venu dans cet amphi, j'étais encore étudiant. J'avais pris l'habitude de m'asseoir là-bas, au dernier rang. Oui. Beaucoup de temps a passé, et beaucoup de choses ont changé, n'est-ce pas? Pour une Algérie nouvelle, quel thème est aussi important pour nous, ici et maintenant, que celui-là? Rien ne me tient plus à cœur que le destin de notre pays. L'Algérie n'est pas la France, et n'est pas non plus l'Algérie. L'Algérie est cette terre oubliée, méconnue, lointaine et méprisée, avec ses mystérieux indigènes et ses Français exotiques, et qu'on laisse étouffer dans son sang. L'Algérie est ce territoire habité par deux peuples. L'un d'eux est musulman. Pas pour longtemps. On accepte trop facilement de croire que seul le sang fait avancer l'histoire. Mais le devoir d'un écrivain n'est pas de se mettre au service de ceux qui font l'histoire, mais d'aider ceux qui la subissent. Je crois fermement à la possibilité d'une juste coexistence entre Arabes et Français en Algérie. Et qu'une telle coexistence entre gens libres et égaux est aujourd'hui la seule solution. Je croyais être au-dessus de tout ça, mais je me trompais. Non, t'inquiète pas, non, je cours aucun danger. Et toi, comment tu te sens? Non, pas encore, non, j'ai prévu d'y passer demain dans la matinée. Ouais. Non, non, c'est moi qui t'appellerai. Non, j'oublierai pas. Bonne nuit. Madame n'est pas là. Elle est partie faire son marché. Choukran, Saïd. Oh, bienvenue chez vous, monsieur Jacques. Merci. Vous voulez l'attendre ici? Non, non, je vais aller la rejoindre. Monsieur Jacques, c'est vrai qu'il y a la guerre entre nous? Madame Cormery. Je croyais que tu venais hier.
J'avais préparé la viande avec les pois chiches et la chicorée à la tomate. Je les mangerai aujourd'hui. C'est moins bon le lendemain. Pardonne-moi. Je le referai ce soir ou demain. Combien de temps tu restes cette fois? Tout le temps que tu veux. J'ai reçu la photo de ta petite. Maintenant qu'elle a grandi, elle te ressemble plus du tout. C'est tout le portrait de sa mère. Elle va bien, sa mère. Avec des hauts et des bas, comme toujours. Elle aurait besoin de se soigner. C'est une mauvaise maladie qu'elle a. C'est quoi son nom déjà? Je me souviens jamais. Une dépression. On n'a pas la fièvre. On est toujours fatigué. Et on n'a plus envie de vivre. Grâce à Dieu, toi tu vas bien. Je t'ai pas encore dit combien tu es belle. Je suis vieille. Hier j'avais arrangé mes cheveux, regarde comme ils sont aujourd'hui. Ils sont merveilleux tes cheveux. Alors maintenant on va se promener, après je t'emmène au restaurant, d'accord? Plus tard, on peut rester encore un peu ici. Comme tu veux. Regarde. Tu achètes les journaux maintenant? Je sais pas lire, mais je sais reconnaître mon fils. Elle est belle, la photo, non? Qu'est-ce que tu farfouilles encore? Tu cherches quoi? Mon père, il s'appelait Henri, c'est tout. Il n'avait pas d'autre prénom? Je sais pas. Je me souviens plus. Ça lui ressemble? Il avait les yeux clairs, comme toi. Un jour, tu m'as dit qu'il avait perdu son père quand il était tout petit et qu'on l'avait mis dans un orphelinat. Non plus ne savait pas lire. Ils apprennent rien dans ces orphelinats. Mais il t'envoyait des cartes du front? Plus tard, il a appris. Quand il avait 20 ans, je crois. Je sais plus. C'est des vieilles histoires. Mais quand nous nous sommes mariés, il pouvait travailler partout. Il avait de la cervelle, ton père. Comme toi. Et après? Tu es arrivé, toi. Et puis il est mort à la guerre. Ils m'ont envoyé un morceau de la grenade. Elle est dans la boîte à biscuits. T'es pas fatigué? Va t'allonger sur le lit. J'ai mis les draps propres. Je suis contente quand tu viens.
couvre. Donne-moi le club. Chaudre de l'humanité. Mais Hasman. J'en ai libéré que trois cette semaine. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. On va faire cache tout le temps. On va faire cache tout le temps. Kabila, Rachid. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, laissez-moi sortir. Amène-le ici. C'est à cette heure-ci qu'on rentre à la maison. Tes sandales neuves, elles sont où? Je les ai perdues. Je les ai cherchées partout, mais je les ai pas trouvées. Dans ce cas, tu resteras pieds nus tout l'été. Et toi, pourquoi tu es planté là? Va t'occuper de ton frère. Qui a trimé toute la journée. Mais avant, apporte ce qu'il faut pour ton fils. Ferme la porte. Avance. Avance. Beaucoup de coups, mensonges trop grands.
Mange. C'est ce qu'on donne aux malades du premier pavillon. Les riches. Il y avait un monsieur dehors. Un monsieur? Il est toujours là quand je viens te voir. Aujourd'hui, il m'a souri. Je crois qu'il me connaît. S'il me connaît, il te connaît aussi, non? Qu'est-ce que tu racontes? À l'école, j'ai dit que tu étais infirmière. Mais si tu apprenais à lire, tu pourrais être infirmière, non? Les médicaments ont des noms difficiles. Mais je les reconnais. Comment? À leur couleur. Et je sais aussi faire les piqûres. Mais dépêche-toi! Ta grand-mère va se fâcher si tu rentres tard. Elle te battait aussi quand tu étais petite? Elle me battait toujours. Mais pourtant, toi, tu ne me bats jamais. Si ton père était là, moi j'ai peur de te faire pleurer. C'est qui les pauvres? Les pauvres? Oui, c'est qui? C'est nous. Moi, toi, la grand-mère, l'oncle Étienne. Si c'est nous les pauvres, alors tout va bien. Vous avez mal au ventre? Vous voulez un verre d'eau? Je n'ai pas appris ma leçon. Moi non plus. Moi, je suis l'instituteur. C'est grave. Tu te souviens de ce qu'il avait étudié? On devait étudier Napoléon. Mais comment on va faire maintenant? C'est marqué sur le livre. On pourrait regarder ensemble. Tu crois que tu peux m'aider? Oui, si vous voulez. Alors va ouvrir le livre. Page 49 pour tout le monde. Le gouvernement de l'Empire. En décembre 1804, il se fit couronner empereur et sous le nom de Napoléon Ier, il fut le fondateur du premier empire français. Après le coup d'état du 9 Thermidor, il tomba en disgrâce à cause de ses relations avec Robespierre. Le gouvernement impérial est instauré par le Sénat le 10 mai 1804 et Napoléon est sacré empereur par le pape Pie VII à Notre-Dame de Paris. Le 2 décembre de la même année, sous les yeux du peintre Jacques-Louis David, récipiendaire de 4 tableaux sur le couronnement. Vous avez compris quelque chose? Non! Alors fermez vos livres. Maintenant, on va raconter une autre histoire. Chacun de vous doit me dire un mot sur son propre père.
Un seul mot suffit. Alors, vous avez perdu vos langues ? Con ! Mon père est un con. Vive Napoléon ! Est-ce que tu joues pieds nus? Il faut prendre soin de ses chaussures. Voilà une belle devise. Tu l'as lu dans un de tes livres? C'est ma grand-mère qui me l'a dit. Et quand ma grand-mère dit quelque chose, on se tait et on l'écoute. Vous en profitez parce que c'est un enfant? Vous devez avoir honte! Qu'est-ce qui se passe, madame? Combien ça pèse? $400. Pourquoi? Mon petit-fils vous a demandé un demi-kilo qu'il vous a payé jusqu'au dernier centime. Il a payé pour 400 grammes. Ce que je lui ai donné. Mon petit-fils ne dit jamais de mensonges. Il y a quelqu'un d'autre ici qui ment. Et toi, jeune homme, quelque chose à dire? J'ai demandé pour un demi-kilo de mouton. Qu'est-ce que t'as fait du reste de l'argent? Je crois que le mieux, c'est d'appeler un agent. Comme vous voudrez, madame. Traiter un enfant de cette façon, c'est dégoûtant! Faut savoir se faire justice sur cette terre. Le monde est rempli de gens sans scrupules. Grand-mère. Dis-moi. Le boucher, c'est lui qui avait raison. Comment ça? J'avais pas assez d'argent pour payer la viande. J'ai perdu une pièce. Qu'est-ce que tu racontes? J'étais aux toilettes. Et au moment où j'ai relevé mon pantalon, la pièce, elle a glissé de ma poche et elle est tombée dans le trou. Pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite? J'avais peur. Tu portes ça tout de suite à la boucherie et tu demandes pardon de ma part. Allez! Cours! Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne pour la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi qui nous sont offensés. Non pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen.
Il y a 10 ans, commençait la Grande Guerre, comme on l'appelle aujourd'hui. Elle fut la plus cruelle et la plus meurtrière que l'Europe ait jamais connue. La mort prit d'innombrables visages. Corps à corps entre fantassins. Bombardement. Malnutrition. La malnutrition ou le froid extrême. Les cadavres en putréfaction s'entassaient parfois des semaines entières dans les tranchées, au milieu des rats et de la vermine, et causèrent de nombreuses épidémies. Entre 1914 et 1918, elle tua et mutila plus d'un million de soldats, dont la plupart furent envoyés au front sans la moindre préparation militaire. Ils étaient donc voués à une mort certaine. Pourtant, ils donnèrent leur vie pour sauver la patrie. Tu sais ce que c'est la patrie ? Quoi ? C'est la France, crétin. Peut-être dans l'espoir que les atrocités commises ne se reproduisent plus. Mais aussi est mort pour la patrie. On donna à cette guerre... La sauver de l'invasion, oui. ...le nom de Der des Der. La dernière des dernières. L'histoire nous prouvera si nous fûmes bien inspirés de l'appeler ainsi. Qu'est-ce qu'ils disent ? Quelqu'un lui révèle son amour. Lui ou elle ? Chut. Mes lunettes. Mais comment j'ai fait pour oublier mes lunettes à la maison ? Je t'amènerai plus au cinéma. Tu ne sais pas lire. Les lignes défilent trop vite. C'est pas vrai. C'est quand, la fin de l'école ? Dans un mois. Dans un mois, tu iras travailler avec ton oncle. Il est temps que tu apprennes un métier. Mon maître veut que j'aille au lycée. Il a qu'à envoyer ses propres enfants au lycée. Ils vont te donner quoi, au bout de tout ça ? Un morceau de papier, et après, tu le mets dans ton assiette, et tu te le manges. Ton maître d'école, il t'a même pas appris l'éducation. Tu crois peut-être que tu es comme les autres. Les autres, ils ont un papa. Et toi, non. Et moi, je ne vais pas vivre éternellement. Je pourrai pas toujours trimer pour vous. Fait nuit.
Toi, allez dormir. Ça fait jour. Faut aller travailler. Ah bon? Et ce gamin, qu'est-ce qu'il fait là? Sa famille est nécessiteuse. On le prend par charité. Tu vas à l'école, toi? Dans quelle classe tu es? Tu sais pas parler. T'es bon en calcul? Tiens. T'as pas confiance? Je vérifie. Merci. Professeur arrivé. Moi, ouvrir. Bien la famille Cormery? Oui, ici, pour servir. Entrez. Merci. Tu vas bien? Non, restez assis. Est-ce que je peux me joindre à vous? Mais bien sûr, monsieur le professeur. Excusez-nous de vous recevoir de cette façon.
Et rien que pour ce soir, on a coupé l'électricité pour tout le quartier. Je comprends. En tout cas, vous avez une très jolie maison. Vous êtes bien aimable, monsieur le professeur. Donc, nous sommes ici pour veiller à l'avenir de notre petit Jacques. Va dehors avec ton oncle. Je sais que Jacques travaille et qu'il gagne déjà de l'argent. Mais comment vous dire, parfois, on pense beaucoup trop à ce qu'on a aujourd'hui et ça nous empêche de penser à ce qu'on pourrait avoir demain. Toi, elle est à l'école des grands? Oui, au lycée. Le lycée est couché, là. Et lui, payé? Non. J'aurai le droit à une bourse. Ah. C'est quoi une bourse? Ben, quand on est bon élève ou quand on est pauvre, ben, on a le droit à de l'argent. Ah. Ben, toi, les deux, hein? Donc, toi, riche? Allez, fume. Fume. Voilà. Comme la pastèque. Là. À toi. Vas-y. Tout doucement. À l'intérieur. Hop là. Voilà. Allez, recrache. Voilà. Monsieur Bernard? Bonjour. Le professeur est parti au café. Quelqu'un peut vous remplacer. Ça
Sans vous, sans cette main que vous avez affectueusement tendue à l'enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela n'aurait existé. Oh, non, mais c'est une dédicace beaucoup trop élogieuse. Ça ne méritait pas tant. Tu te souviens de ce que je te disais en classe? Vous disiez tellement de choses. L'enfant porte en germe l'homme qu'il deviendra. C'est vrai qu'en partie. C'est une autre chose que je garde dans ma mémoire, vos paroles sur Dieu. Non, mais je ne parlais jamais de Dieu. C'est vrai, mais un jour vous avez dit, il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Chacun fait comme il veut. Il fallait un beau courage. Vous avez été un second père pour moi. Moi, je suis revenu de la guerre, pas ton père. Il y a certains cas où il est difficile de se résigner à sa chance. La chance est comme Dieu, elle n'existe pas. Ah non, je ne suis pas d'accord. Toi, tu as eu la chance d'avoir deux femmes exceptionnelles qui ont pris soin de toi. Tu sais, pendant longtemps, je n'ai jamais soupçonné les conditions dans lesquelles vivait ta famille. Ton visage respirait la sérénité. Et comment va ta mère? Courageuse, comme toujours. Ta mère est trop seule. Il y a longtemps que tu n'étais pas venu à Alger. Ces étudiants m'y ont presque forcé. Oui, mais tu dois les aider à comprendre. C'est ton devoir. Les choses sont difficiles pour tout le monde. Tu devrais écrire un livre sur nous, sur notre tragédie. J'ai beaucoup écrit, on m'a insulté. Je te parle pas d'un essai ou d'article dans les journaux. Je te parle d'un roman. C'est dans les romans qu'on trouve la vérité. La Russie, elle est pas dans les manuels d'histoire, elle est dans Tolstoï, dans Dostoïevski. Proposez-moi un sujet, comme à l'école. Liberté, égalité, fraternité, que sont devenues les valeurs de la France ici, en Algérie? C'est un devoir difficile. Même pour toi? Surtout pour moi. À Corinthe, il y avait deux temples. Le temple de la nécessité et le temple de la violence. Et ils étaient si près l'un de l'autre qu'on pouvait entrer dans l'un ou dans l'autre indifféremment. C'est comme ça qu'il faut faire? Oui, quelquefois. Je comprends. L'erreur, c'est pas la révolution. C'est quand les opprimés se résignent tranquillement. C'est la violence du colonialisme qui explique la violence de la rébellion. Tu te souviens ce que je vous disais à propos de Rome et des barbares? Il y a une chose que je ne vous disais pas. Laquelle? On peut être aussi du côté des barbares. Qui a commencé? Anna.
veux un bout de pain? Vous allez où, monsieur? Prendre visite à un ami. Vous savez bien que c'est pas un endroit pour se promener. C'est pas plus dangereux que de porter cet uniforme. Comme vous voulez. Suicidé, Ramlan. J'en sais pas. Choukran. السلام عليكم. هذه دار حمود عبد الرحمن. مرحبا بك. حييتنا كي تجي تزورنا. اتفضل. اتفضل. كنا نستناو فيك. راه مريض وفي حالة. غير أنت اللي تقدر تهضر معاه. ادخل أو في البيت. ادخل ادخل. Hamoud. Assieds-toi, s'il te plaît. Il paraît que tu es devenu riche et puissant. Ni l'un ni l'autre. Et aussi menteur comme tous les Français. Je suis algérien comme toi. Je sais que tu as deux enfants. Un garçon de 9 ans et une fille de 5. Moi, je n'ai qu'un fils. Dieu n'a pas voulu m'en donner d'autres. Je voulais qu'il aille à l'école, mais il préfère utiliser ses mains, pas sa tête. Il a peut-être raison. Il a 18 ans, il est maçon. C'est quelqu'un de bien, mon fils. Et toi, Hamoud, comment tu vas? J'ai besoin de vous, monsieur Karmoui. Si je peux. Au nom de cette amitié qui n'a jamais existé. Moi, j'avais du respect pour toi. Pas moi. Tu m'appelais fillette. Je te demande pardon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mon fils va mourir.
Comme vous le savez déjà, il s'appelle Aziz Abderrahman. 18 ans, célibataire. Il a longtemps travaillé comme simple maçon dans le quartier arabe de Salambier. Jamais fiché, jamais interrogé. Il est apparu dans l'organigramme de la section d'Alger du FLN seulement après son arrestation. Et de quoi l'accuse-t-on exactement ? De complicité dans 3 attentats à la bombe survenus au mois d'octobre 1956. Ces attentats ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. C'est un poseur de bombes ? Non. Mais il a été établi que les bombes utilisées lors de ces attentats avaient d'abord été dissimulées dans sa maison. Par ailleurs, d'autres explosifs ont été retrouvés chez lui lors de sa capture. Il est écrit ici qu'il n'avait pas connaissance de la destination finale des bombes et qu'il les croyait uniquement destinées à provoquer des dégâts matériels. Effectivement, le FLN est organisé en compartiments étanches. La fabrication des bombes et leur utilisation sont l'œuvre de cellules qui ne se connaissent pas entre elles. La version de l'accusé n'est donc pas impossible, mais le tribunal a rejeté cet argument. Et on l'a condamné à mort à chaque fois, sans aucune preuve réelle de son intention de tuer. Son recours en grâce sera bientôt déposé, mais il y a peu de chances qu'il aboutisse à une libération. Évidemment, vous pouvez écrire une lettre au ministre de la Justice pour lui demander de revoir le dossier. François Mitterrand consentira sûrement à faire quelque chose. Lui non plus n'accepte pas l'injustice, soyez-en sûr. Et puis, avec votre réputation... Donne-moi un peu de l'argent, tu es un homme. Aziz. وش واك بابا؟ كيفاش خلاوك تدخل؟ تاكل أموي الكذب. هو اللي دبر لي التصريح. كنا صحاب في صغرنا. الله يحفظه. حاب يعاونك. راهو كتب المينيست باش يتكلف بالقضية ديالك. دوك يفهموا بلي داروا غلطة. ما كان حتى غلطة بابا. واش داروا لك يا وليدي؟ والو بابا. والو. تخبيش عليا. لازم تعاوني باش نعاونك. اون فا بروفي طون انوسونس. ما بانيش بابي بابا. ما تهدرش هكذا يا وليدي راهم يسمعوا فينا خليهم يسمعوا لواحد حاجة واحدة تهمني نخرجك منا عطيهم الأسماوات قول لهم باللي مشي انت ويما واش باهي تستنى فيك يا وليدي نمت هذيك الليلة كانت وجد لي جبل تاع مخوات ولي للدار بابا ما تخليش يما وحدها طول لور سو كي فول كتب عليهم معليش في صغري كنت تعطيني سقالي الا شفتني نكذب روح مهني ما تخافش
Ramenez-moi dans ma cellule. Pas. Je te prépare quelque chose. Non, non. Te dérange pas. Je t'ai fait des poivrons grillés. Ils sont au frais. C'est meilleur comme ça. Quand j'étais petit, tu me disais toujours que j'étais trop intelligent pour rester ici. Que c'était mon devoir de partir. Tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie, c'est à toi que je le dois. Si tu es heureux, ça me suffit. Thank you.
Afrique du Nord, la France possède un magnifique empire composé de 3 pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. La conquête qui voulait venger un coup d'éventail reçu par l'ambassadeur de France a débuté en 1830. Les indigènes, les arabes nomades et les berbères sédentaires lui opposèrent une dure résistance. Il ne faut pas oublier les célèbres pirates barbaresques. Leurs incursions continuelles semaient la mort dans les tribus indigènes. C'est l'intervention providentielle des Français qui les a sauvés. Ils ont créé des routes, des voies ferrées, des ponts. Ils ont développé les mines, l'agriculture, les travaux hydrauliques, les équipements d'hygiène et surtout les écoles. Aujourd'hui, l'Algérie, divisée en 3 départements depuis 1848, est une province française à part entière et jouit du rayonnement culturel et universel de la France, notre mère patrie. Maintenant, c'est le tour de Cormerie Jacques. Cormerie ? Alors, Cormerie, on dit que tu es poète ? Moi ? Non. On me dit que tu as écrit un poème. Je l'ai recopié. Tu l'as emprunté à un camarade ? Non, à 3 poèmes différents. Tu peux nous le réciter ? Il s'appelle Tristesse. L'horizon fuit et c'est la nuit. L'oiseau qui pleure annonce l'heure où le serein, partout éteint, la vie si brève, la vie de rêve. Entendu? Non. Où elle est, ta mère? Où elle est? Tu l'as vue? Je ne l'ai pas vue. Va me chercher. Dis-lui de venir ici, tout de suite. C'est mal, toi? Non, c'est bon. C'est bon. Eh bien, t'es dur, comme ton père. Comment qu'il était, mon père? Intelligent, sérieux, drôle. Ton père,
Toujours tête dure. Une tête dure. Et pourquoi ma mère, elle est tombée amoureuse de lui? Tête dure, cœur tendre. Eux, toujours bien s'entendre. Entre. Ferme la porte. Avance. Avance. Trop fatigué? Ah non, ça va. J'aimerais vivre ici avec toi. On le fera. Un jour. On le fera. Tu avais quel âge quand je suis né? Je sais plus. C'est encore loin la maison? Notre maison n'existe plus. Pourquoi toutes ces questions? Tu serais contente si j'écrivais un livre sur toi? Je sais pas lire. Moi, toujours fume seul. Mais cigarette meilleure partagée.
Tu as raison. Quand on demande du feu ou qu'on en offre, il s'établit une complicité entre les gens. Je n'y avais jamais pensé. Mais ça, dans votre livre, Octétienne a dit. Mais pourquoi tu me vouvoies ? Respect. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil ? Beau, hein ? Cabinet tout propre. Mais t'es pas invalide, toi. Moi, pas guère. Trop jeune, trop vieux, prochaine ma partie. Je vous aime bien. Arrête. Arrête avec tes vous. Vos livres ici, ta bibliothèque. Très belle usine, beau. Faut bien connaître peine du travail. Tu la connais mieux que moi, tu as travaillé toute ta vie. Non, un jour on veut plus. Dis assez. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire? Moi aussi ma guerre. Tout seul. Je crois qu'il est heureux. Il n'a pas changé, il est innocent comme toujours. C'était le jour ou la nuit? Quoi? Quand je suis né, je parie qu'il y avait du soleil. Il faisait nuit et il pleuvait. C'est comme ça que tu commences ton livre? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense rien. N'oublie pas de dire la vérité sur ton père. Bien sûr. Écris comme ça. Mon père était plus beau que moi. Aidez-moi, ma femme va avoir un enfant, on doit accoucher tout de suite. Et alors? Il est où le problème? Il y a un docteur dans le coin. Les docteurs connaissent rien. Il y a les femmes pour ça. Aïcha? Adila? Adela? Zora? Vous êtes l'ouvre. Oui. Mon premier.
ferme. Réa. Réa. Chouille. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. J'ai un agneau qui refuse absolument le lait de sa mère. C'est moi qui vous remercie de m'accorder un peu de temps. C'est la ferme qui vous intéresse ? Ah, si vous la voulez, je peux vous la filer pour pas un rond. Non, on m'a dit que je suis né ici, près de votre propriété. Elle faisait partie du domaine. Mais elle a changé plusieurs fois de patron. Mes parents ont tout reconstruit. Vous pensez qu'ils ont connu mon père ? Peut-être. C'est il y a si longtemps. Vous savez quand les premiers colons sont arrivés ici ? En 48, 1848. Tout à fait. L'année où la France a alloué 50 millions au financement d'une colonie. Imaginez le succès. Il y avait plus de 1000 volontaires à rêver de la terre promise. Les hommes surtout. Les femmes sont plus méfiantes. Mais les hommes, pas par hasard qu'ils venaient de faire une révolution. Il n'est pas resté une trace, quelque chose ? Si vous êtes algérien, vous savez comment ça se passe. On abat et on reconstruit. On pense à l'avenir et on oublie le reste. Excusez-moi, je vous ai dérangé pour rien. Non, j'étais content de faire votre connaissance. Et puis j'ai lu un de vos livres. Je me souviens plus du titre, mais c'était bien. Vos parents habitent toujours ici ? Non, mon père ne veut plus entendre parler de l'Algérie. Il vit à Marseille, dans un appartement moderne. Il paraît qu'il passe ses journées à tourner en rond sa chambre. Et vous ? Oh, moi je resterai ici jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive. Je crèverai ici. Ils sont incapables de comprendre ça, pas ? Et vous savez quels sont les seuls, à part nous, à pouvoir le comprendre ? Les Arabes. Exactement. On est fait pour s'entendre. Ils sont aussi stupides et grossiers que nous, mais ils ont le même sang que nous. Alors on va continuer un peu à se massacrer, à se couper les couilles, à se torturer. Et puis nous remettrons à vivre comme des êtres humains. Hier, un jeune homme est mort à l'aube. Un garçon de 20 ans, le fils d'un de mes camarades d'école. Il s'appelait Aziz Abderrahman. Il a été guillotiné. On n'a pas prouvé sa culpabilité. Et aujourd'hui, je me sens plus proche de lui que de nombreux Français qui parlent de l'Algérie sans la connaître. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je connais bien son père et ce n'est pas de la haine que j'ai vue sur son visage, mais du désespoir et de la tristesse
une tristesse que je partage avec lui. Son visage, c'est celui de mon pays. Les victimes du drame algérien appartiennent toutes à une même famille tragique dont les membres se massacrent en pleine nuit sans se reconnaître, tâtonnant dans l'obscurité au sein d'une mêlée aveugle. L'Algérie ne sera bientôt plus peuplée que de victimes et d'assassins, et seuls les morts y seront innocents. J'ai toujours été, et je continue d'être pour une Algérie juste, où tout le monde pourrait jouir des mêmes droits dans l'égalité. Il est nécessaire de rendre au peuple algérien ce qui lui est dû et de lui donner des lois pleinement démocratiques. Il faut unir au lieu de diviser. Mais comme j'ai toujours désapprouvé la terreur, je ne peux que condamner des actions perpétrées aveuglément dans les rues et qui un jour peuvent frapper un des êtres qui nous sont chers. Moi, je crois en la justice. Et je dis aux Arabes, je vous défendrai à tout prix, mais jamais contre ma mère. Parce qu'elle a enduré comme vous l'injustice et la souffrance. Et si dans votre rage vous lui faites du mal, je serai votre ennemi. Elle est belle, la tombe. La tombe de ton père. Ah, je ne l'ai pas encore vue. Mais maintenant que tu vas rentrer avec moi, on ira ensemble. Je suis trop vieille. C'est trop loin. Pourquoi tu veux rester ici ? C'est beau la France, mais il n'y a pas les Arabes. T'aimes pas ? Si, beaucoup. Le temps va changer. La lumière cet hiver? Je ne crois pas.
de penser à toi comme un insensé. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu le soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour vivre un jour, Ramona, ce rêve d'amour. Mais ce doux roman n'était seulement qu'un rêve d'amour. La réalité, Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu le soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers.